Maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Sarah M.K. Je suis ici parce que je fais partie du mouvement hip-hop à Montréal. Et puis, je revendique les derniers faits qui sont arrivés les dernières semaines par rapport à la régie des alcools et du jeu avec leur licence, que comme quoi on ne peut pas faire de musique hip-hop dans certains bars. Parce que ça a une mauvaise connotation générale et non spécifique. Si on généralise la musique hip-hop par ce qu'on voit à la télévision, puis à l'habillement, des choses comme ça, je peux comprendre, tu sais, on va dire, je peux prendre ma famille immédiate, puis je peux comprendre les idées négatives qu'ils ont par rapport au hip-hop. Mais une fois que ça devient individuel, là, ça change. J'ai parlé avec mon amie à propos, une de mes amies à propos de ce qui s'avait passé au bar, comme quoi elle avait interdit le hip-hop. Puis elle a dit, ouais, mais tu sais, je comprends parce que tu sais, il y a souvent des batailles, il y a souvent des choses négatives qui se passent par après. Puis là, j'avais, mais tu comprends que ça veut dire que moi, je peux pas faire de spectacle là-bas. Ah, ben là, c'est différent. Ah non, mais non, ça fait pas de sens que tu n'as pas le droit de faire des spectacles. Donc, une fois que ça devient individuel par rapport aux personnes et non par rapport à. Juste l'image négative que le hip-hop peut avoir, là, ça change. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie d'apporter aujourd'hui, comme qu'on est des personnes. C'est juste vraiment la musique de la nouvelle génération, de la jeunesse. Comme j'ai dit auparavant, j'ai fait de la suppléance dans des écoles primaires dans le quartier de l'Ouest, dans l'Ouest Island, où que, j'enseignais la musique. Et puis souvent, lorsque les élèves n'étaient pas trop intéressés dans les formes, on va dire, un petit peu plus classiques, j'allais toujours chercher le vocabulaire
vocabulaire plus hip-hop pour les rapprocher par rapport au sujet. Ça l'aidait grandement, même, tu sais, j'ai vu des élèves pratiquer sur leur flûte avec, puis revenir la semaine après avec « check, j'ai entendu ça à la radio, puis j'ai pratiqué. » Maintenant, je sais comment, tu sais, jouer, mais c'est juste un vocabulaire. Pour moi, c'était la porte d'ouverture pour montrer que c'est un vocabulaire par rapport à la musique. Puis après ça, tu l'utilises de la façon que tu veux l'utiliser. Le hip-hop, c'est vraiment un mouvement positif à la base. T'sais, c'est sûr qu'une fois ça devient commercialisé et tout ça, des fois ça change de terme. Mais c'est qui change ça? Ça, c'est une autre question, un autre débat. Mais non, il y a plein de faits positifs par rapport à la musique hip-hop. Ceux qui pensent que le hip-hop a toujours une connotation négative, qui viennent nous voir, qui viennent nous rencontrer individuellement, qui viennent aussi nous rencontrer en tant que communauté, qui essaient au moins de nous comprendre, puis de réaliser que c'est une forme d'expression. Ça, j'ai...